Salut les filles, donc aujourd'hui je vais faire un tag qui m'a été proposé par une de mes nouvelles abonnées, je crois. Et je vais mettre son nom dans la barre d'information qui est ici. Donc c'est le tag de qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à main. Donc j'ai vu que G-O-M... Comment G-O-M-G 100, je crois, l'a fait. J'ai aussi mis son nom dans la barre d'espace en bas. Donc, le fait, donc, je me suis dit, je vais le faire aussi. Donc, voilà. Ça c'est mon sac à main. Puis, en dedans, il y a comme un motif de comme crocodile, genre. Donc, c'est ça. Donc, je vais commencer. Ok. Bon, dans la petite pochette ici, il y a des petites pochettes. Qu'y a-t-il? Bon. J'ai de la gomme que mon grand-père m'a donnée. Et c'est la extra menthe polaire. Avec sorbitol, mannitol, aspartame, xylitol, acésulfame et potassium. C'est pas ça, hein? J'ai aussi des billets de cinéma. Donc pour 1981. Encore 1981. Une carte de la cosméticienne, mon père m'a pris. Et dans l'autre, qu'est-ce que j'ai? Encore 1981. Ça me fait 3 fois que j'ai 3 billets. Dans la grande. Attends, dans ma petite pochette, qu'est-ce que j'ai? Avec un zipper, j'ai Twilight Tentation. Qu'est-ce? Une facture. Qu'est-ce que j'avais acheté? Mon traceur liquide. Bon, un eyeliner Marcel que j'avais acheté. Donc, c'est tout pour les petites pochettes. Ok. Dans les grands compartiments, j'ai ma facture de Sephora de hier. Donc, où j'ai acheté ça. Urban Decay Primer Potion. Et mon portefeuille. Ouais. J'ai ma carte Sephora. Une carte une carte cadeau. Ma carte de la Bibliothèque nationale. Ici, j'ai des factures. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah, Dollarama. Qu'est-ce que j'ai acheté au Dollarama? Oh, ok. Et ici, j'ai des factures. Ici, j'ai mon argent. Puis. Ouais. Donc, c'est ça. Ah, j'ai juste une carte de Renaud Brie. Si vous avez un lieu à me conseiller pour lire, vous pouvez me donner des suggestions dans les commentaires. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, oups. J'ai deux cartes Simons, une. Ouais. Donc deux cartes Simons, deux cartes cadeaux Simons. Une que j'ai utilisée hier pour payer mes achats. Une carte Archambault. Ah, mes écouteurs. Ils sont tous pétés. Regardez. Et puis j'ai mon iPod, mais là, il est là. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Ah! J'ai la facture du produit que j'ai retourné. J'ai un genre de chose de billet gratuit pour aller au cinéma. De l'argent. Une facture Sephora. Que j'ai acheté? BE crayon pour les yeux. Je sais pas trop c'est quoi. Ok, une petite pince. Oh, mon élastique! Ça vient de Taïwan, les amis. Mais pas genre made in Taiwan. Non, non, mon amie est allée à Taïwan parce qu'elle vit là. Ben non.
Elle est originaire de Taïwan et elle m'a ramené ça. Ça fait comme 5 ans, mais quand même. Donc c'est ça. Vraiment cute. Donc c'est bien. Et ah, j'ai guide d'études du permis de conduire, Québec. Bien. Puis il y a plein de questions là. Genre. Enfin, moi j'aime les petites questions comme stupides. Genre. Vous êtes dans l'obligation d'arrêter à une intersection où il y a un panneau d'arrêt. A. En tout temps. B. Seulement si vous voyez un véhicule qui arrive à gauche ou à droite. C. Seulement si vous risquez d'entrer en collision avec un autre véhicule. Est-ce qu'il y a D? Aucune de ces réponses? Non, c'est A en tout temps. Parce que je vais passer mon... J'ai pas encore passé mes cours, mais bientôt, là. Donc, c'est, donc, si j'ai rien à faire, je peux, comme, en voiture, faire comme « Ah, maman, petit quiz! » Mon Dieu, j'ai plein d'argent. 1$. De l'argent de Noël. Et une photo de ma cousine. Marge. Mon sac de monnaie. C'est assez stupide, mais quand même. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est pour une carte. Du Benadryl, parce que je suis allergique aux arachides, donc je vais pas mourir. Ah! Oh! Celui-là. Ça sent plus. Mais ça, j'avais mis le parfum Madame dessus, puis ça sent très bon. Je crois que je vais l'acheter. Des papiers de gomme. Très utile. De l'argent, mais comme... qui va dans mon... et des boucles d'oreilles. Qui sont vraiment cool. Ma mère, c'était ma mère, mais elle avait le collier qui va avec. Donc elle me l'a donné parce que... mais elle n'a pas vraiment ça mettre des boucles d'oreilles. Donc, je crois que c'est tout. Il y a plus rien. Donc voilà, je vous ai montré ce qu'il y avait dans mon sac. J'espère que vous vous êtes amusés à regarder cette vidéo très constructive. Et oui, donc c'est ça. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça, juste me le dire dans les commentaires et ça va me faire plaisir. Donc ouais, c'est ça. Bye les filles!